Guivien, tu es parti de la 10e place à l'une des relances du premier tour. Tu t'es rendu déjà au top 5. C'est une course qui avait bien commencé pour toi. Oui, bien, la semaine passée, moins bien. Ça allait moins bien. Ça nous a permis de faire des petits ajustements. Puis là, la course ici, là, ça a bien commencé. Puis ça, on a amélioré. Puis là, ça allait bien. Puis, Au début de la course, c'était surtout à l'extérieur. À la reprise du 14e tour, tu étais plutôt à l'intérieur. Puis là, ça a fonctionné pour dépasser Thirouge. Explique-moi ta course. Ben, en réalité, j'essayais de trouver un chemin pour pouvoir passer. Là, les bouts, ça allait mieux à dehors, des bouts à l'intérieur. Là, mais fait que c'est ça, à un moment donné, c'est sûr qu'à l'intérieur, ça allait mieux. Mais à l'extérieur, j'avais plus de misère. Mais à un moment donné, il faut trouver un chemin pour passer. On ne peut pas passer par-dessus, fait, ou en dessous. Steve m'a dit qu'il craignait que la piste soit encore plus glissante en fin de journée. Comment tu te prépares, toi, pour cette deuxième finale-là? Bien, c'est ça, on va se préparer, d'après moi aussi, elle va être beaucoup plus glissante. Fait qu'on va essayer de trouver les bons ajustements pour être rester performant. Tu souhaites la meilleure des chances en espérant te rencontrer de nouveau en entrevue plus tard. Bien, moi aussi, merci.